Salut les ladies! Alors, je vais faire une vidéo sur comment faire une postiche avec des rangées de tissage. Alors, mais il faut que faut que ça soit un paquet de tissage sans clips, parce que sinon ça va pas faire naturel dans cette partie-là. Ça va pas faire naturel et il faut vraiment qu'il n'y ait pas de clips. Donc, je vais faire un peu vite parce que là, il est très tôt le matin. Et je vais partir en cours dans pas longtemps. Vous voyez, je mens pas. Il est 7h16. Et vous voyez, d'habitude, c'est toujours éclairé derrière moi. Et là, c'est noir. Vous voyez, je vous mens pas. Il est très tôt. Et je vais partir en cours. Comme j'allais me faire une postiche, je me suis dit, pourquoi pas faire un tuto. Donc, maintenant, je me suis habituée avec les vidéos. J'avais envie de faire un tuto. Donc, alors, pour cette vidéo, j'ai... Enfin, pour cette coiffure, pardon, j'ai utilisé... Je vais utiliser... Mon gel, éco-gel encore, de l'huile d'argan. Le gel aussi, il est bien, mais aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de faire ça. Je sais pas où se trouve ma brosse dure, donc je vais prendre cette brosse, mais elle est pas, je sais pas, elle est pas très dure. Je sais pas si ça va bien plaquer, mais je vais utiliser cette brosse pour démêler ma brosse habituelle. Bon, il y a des cheveux, comme d'hab. Et qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, des épingles. Ça, c'est vraiment pour sécuriser la postiche. Si vous n'avez pas d'épingle, n'essayez pas. Sinon, votre postiche va tomber, vous allez vous afficher. Donc, je vais commencer. Alors, je vous dis, je vais essayer de m'appliquer sur cette vidéo parce que je ne vais pas la refaire. Et voilà. Bref. Alors, tout d'abord, il faut démêler, mais j'ai déjà démêlé mes cheveux tout à l'heure. Démêlez vos cheveux. Et puis... Je vais passer le gel après. Toute façon, je pense pas que j'ai besoin de passer beaucoup de gel sur mes cheveux, vous voyez. Je les ai lavés hier soir avec la gamme She. C'est une gamme vraiment pro et qu'on ne trouvait pas dans les magasins. Même au States, on ne trouvait pas. Et récemment, vous pouvez trouver cette gamme. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Quand vous allez chez le coiffeur, vous voyez cette marque. Ou bien Redken, Misani ou autre, mais surtout She, c'est une bonne marque, mais on les trouvait pas dans les magasins. Maintenant, même chez Magic Afro, vous pouvez en trouver. Moi qui me plaignais de pas trouver des magasins, mais avant Magic Afro, ils avaient pas autant de produits. Là, je les ai vus et chaque semaine, chaque week-end, ils ont toujours une nouvelle gamme d'estate et ça, franchement, ça me plaît. Bon, on fait la postiche, j'espère que ce chouchou va pas craquer. Comme je vous ai dit, faut que l'élastique, il ait l'embout, comme ça, l'embout en plastique. Si c'est en métal, ça va vous casser, ça vous arrache les cheveux. Et c'est pas top. Bon. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, t'aurais pu faire une postiche avec tes cheveux. Je me rappelle dans l'autre vidéo, on m'avait fait beaucoup de commentaires parce que mes cheveux étaient longs. Mais ouais, vous savez, long ou pas, je sais pas, j'aime bien me coiffer, j'aime bien faire différentes coupes. C'est vraiment pas. Enfin, je sais pas. J'aime bien le changement, j'aime bien. J'assume mes cheveux, mais j'aime bien changer, quoi. C'est pas. J'ai rien contre mes cheveux, je vous assure. Donc, un peu de gel. Vous avez vu, j'en mets pas beaucoup. Je mets toujours au contour. Il est bien ce gel aussi. J'aime pas cette brosse. Ça va, elle plaque, mais l'autre, elle était plus dur, plus costaud, je pense. Mais bon. Alors avec un chouchou, je vais refaire normalement à la fin, soit vous faites une tresse et puis vous l'enroulez, vous faites en sorte que ça soit vraiment petit. Soit vous faites ce que je viens de faire et vous le refaites avec un autre chouchou parce que c'est vraiment, j'ai vraiment une touffe en fait. Même si je défrise mes cheveux, après un shampoing, si je fais pas un bon brushing, ça va vraiment être une touffe.
Ça me dérange pas d'avoir une touffe, mais voilà, si j'ai envie de me faire ce genre de coiffure, c'est vrai qu'il faut lisser avant. Et là, ce matin, j'avais pas le temps. Et il est quelle heure? Bonsoir, il est 7h20. Vous avez vu, ça a pris 5 minutes pour que je me fasse un chignon. Il était quelle heure tout à l'heure? Il était 15h16. Et on va faire la postiche, la ponytail. Alors je vais brosser, non ça va. Alors, vous avez vu ce que je vais faire? Je vais commencer par ce bout-là, le bout qui est enfermé. Je vais le mettre ici. Attendez. Enfin, je veux que ça soit vraiment plat en fait. Voilà, là c'est mieux. Parce que sinon ça va faire comme les postiches, vous savez, avec les élastiques là. Ça fait toujours une grosse boule et je déteste ça. C'est pour ça que je préfère faire mes postiches avec les rangées de tissage, parce que ça fait plus naturel. Vous savez, moi, je suis vraiment sur le côté. J'aime bien me faire des coiffures avec les faux cheveux, mais je veux que ça paraisse naturel. C'est très difficile. Alors, et voilà. Maintenant, on commence. Et je mets l'épingle au début. Vous avez vu, je prends toute la rangée. Et je l'enfonce bien pour que ça part pas. Et là, très facile les filles, vous tournez. Vous tournez. Et à chaque fois que vous tournez, vous serrez. Vous tournez, vous serrez en tirant. Je vous dis, cette vidéo, je vais pas la refaire, donc je vais essayer d'être précise. Bon, on serrait pas trop trop fort, mais il faut que ça sécurise. Vous avez vu, la brosse, elle a même pas bien bien plaqué. Bref. Et les cheveux là. Serrez. Et vous continuez de serrer. Entre-temps, vous pouvez toujours sécuriser avec des épingles. Mais moi, je vais faire à la fin. Je vous assure, hein, ce genre de postiche, ça va pas partir. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais imaginons, ça va partir. Non, ça va pas. Ce genre de postiche, ça part pas facilement. En tout cas, moi, je fais ça souvent. Et faut juste bien sécuriser avec des épingles. Sinon, vous êtes foutu. Vous avez vu les filles? Ça fait pro, naturel. Mais j'ai pas fini. Ce que je fais à la fin, c'est que je prends toujours un peu de mèche. Soit je natte, soit je laisse comme ça. Je vais mettre un peu de spray dur. Il est où mon spray dur? Désolée les filles. Hein. Cette vidéo elle est pas très pro, mais au moins je vous montre une coiffure. Regardez. Je mets un peu de spray dur. Et je vais
T'as un choix, je vais faire de l'autre côté. Je vais faire un contour. Comme ça. Alors, est-ce que vous voyez? Je vais faire un contour avec mes cheveux. Juste pour pas qu'on voit les épingles et les rangées. Parce que des fois ça se voit, donc. Parce que j'aime bien. J'ai mis beaucoup d'épingles, mais vous pouvez réussir cette coiffure sans mettre trop d'épingles. Mais je veux vraiment que j'ai une longue journée qui m'attend. Je vais en cours et puis je vais au taf après, donc j'ai vraiment pas envie que ça soit raté. Donc voilà ma postiche du matin pour aller en cours. Puis après, vous pouvez faire un chignon. Voilà, ça c'est une bonne petite tricherie. Je vais mettre des boucles d'oreilles après. Alors dites-moi ce que vous en pensez les filles. Le tuto est fini. Dites-moi ce que vous en pensez. On dit souvent que je ne monte jamais le derrière des cheveux, donc j'essaie de tout faire. Oui. Et il commence à faire clair là. L'heure elle passe vite. Voilà. Ah, j'adore. Oh, j'adore. Aujourd'hui il fait pas très froid, donc je vais mettre une veste. Bon, c'est hors sujet avec le tuto, mais bon. Une veste. En fait, avec ce genre de coupe, j'aime bien mettre les vestes, même s'il fait. Même s'il fait un peu froid, là c'est la rentrée en mois d'octobre. Et même s'il fait frais. Ah, j'adore. Ah, mon maillot. Mon maillot vient de Afro Lover. J'ai oublié de montrer mon maillot. Afro Lover. Je sais pas si vous voyez. I Love Haiti de DFP. DFP, ça veut dire. Il est où DFP? DFP, c'est-à-dire David Frédéric Pérez. Un des best photographes. Je vais vous mettre son lien en bas de la vidéo. Et je vais aussi mettre le lien de Afro Lover. Et franchement, ils font des maillots, mais top. Et de tous les pays, pas que de Haïti, hein, pas que de Haïti. Ils font de tous les pays et ils sont très forts. Et puis voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez le faire avec un tissage, avec un paquet de tissage bouclé, ondulé, n'importe comment, avec le paquet de tissage lisse, ça fait vraiment naturel. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de produits. Comme d'hab, un peu de gel, du spray dur pour quand vous contourez, mais c'est pas obligé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brossé, vous avez vu, j'ai pas mis grand chose. Hein. Et puis les épingles, c'est tout. Je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour les premières qui viennent de voir cette vidéo. Pour celles qui regardent mes vidéos régulièrement et qui ne se sont pas encore abonnées, n'hésitez pas, abonnez-vous les filles, ça se fait pas, abonnez-vous. Partagez la vidéo et vous pouvez m'envoyer des idées si vous avez des coupes que vous voulez que je fasse. Même si je dis que je fais pas tout, je peux essayer, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à m'écrire. Même si je suis un peu busy, c'est un peu comme tout le monde, n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!